Papa, y'a mon yote. Kaina yo. Amen. Il faut avoir de quoi noter. Alléluia. Quand vous avez de quoi noter, c'est une bonne chose parce que vous aurez le temps de pouvoir revoir ce que vous écrivez. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est encore très important, la mauvaise croissance des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. C'est vrai, ça ne te dit rien, mais quand on va entrer dans notre vie du sujet, tu remarqueras, tu comprendras que beaucoup de chrétiens ne croissent pas comme il faut aujourd'hui. Alléluia. La mauvaise croissance des chrétiens d'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous savons, bien-aimés, que dans la vie active, bien-aimés, il y a des étapes dans la vie d'une personne. Il y a la naissance. Il y a, bien-aimés, l'adolescence, la jeunesse et l'âge adulte. Alléluia. Alléluia. Et après l'âge adulte, il y a la vieillesse. C'est-à-dire que ce sont les étapes obligées par lesquelles toute personne née d'hommes et de femmes doit passer. De la même manière aussi à l'église. Alléluia. Il y a une croissance. Je veux que tu poses la question à la personne qui est à côté de toi. Est-ce que tu as suivi ou tu suis la bonne croissance? Alléluia. C'est important. Est-ce que tu as suivi la bonne croissance? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, de nos jours, dans nos églises, je veux déjà vous scandaliser en disant il n'y a que des bébés spirituels. Les gens ne grandissent pas. Quand je parle des églises, je ne parle pas seulement des fidèles et les serviteurs et les servants de Dieu. La majorité est composée de bébés spirituels. Alléluia. Si vous voyez beaucoup de problèmes dans les églises, c'est parce que 85% des personnes qui sont dans les églises sont des bébés spirituels. Un bébé, c'est un enfant. Un bébé râle à tout moment. Un bébé murmure à tout moment. Alléluia. Un bébé prend des mauvaises décisions à chaque moment qu'il est contrarié. Est-ce qu'on peut donner un revolver à un bébé? Si je donne à mon petit si un revolver, il peut se faire du mal et il peut aussi tuer les gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Les bébés spirituels dans les églises, bien-aimés, sont un dégât pour eux-mêmes et pour leur environnement. Alléluia. Même un fœtus, bien-aimé, il doit croître. Quand une maman est enceinte et qu'à l'hôpital, on lui dit, on ne voit pas le développement de l'enfant, elle s'inquiète. Et encore plus forte raison, Dieu. Alléluia. Dans les églises, les pasteurs, les prophètes, les servants, les serviteurs de Dieu, les protocoles, les chantres, bien-aimés, les intercesseurs de toutes les églises, bien-aimés, les évangélistes, même les enfants, la jeunesse est remplie de bébés spirituels. Un bébé ne peut que râler. Alléluia. Un bébé ne sait pas ce qu'il veut. Et c'est ça les églises d'aujourd'hui. Vous pouvez voir des gens âgés, papa, maman, mais des bébés spirituels. C'est un danger pour l'église. La croissance n'est plus dans nos églises. Alléluia. Par la grâce du Seigneur, nous allons voir qu'est-ce qui cause cela et qu'est-ce qu'on va faire pour s'en sortir. Alléluia. Est-ce que tu as suivi une bonne croissance? Est-ce que j'ai une bonne croissance? Alléluia. Un bébé réagit comme un bébé. Alléluia. Un enfant, quand on lui pose des questions, il a sa manière de répondre. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend aujourd'hui pourquoi dans nos églises? Je parle de l'église corps du Christ. S'il y a beaucoup de problèmes, c'est parce que la majorité des gens qui sont dans les églises sont des bébés spirituels. Depuis qu'il est né dans l'église, il ne croit plus. Quand quelqu'un ne croit pas, il reste bébé, c'est dangereux. Quel est ce parent qui voudra que son enfant reste toujours bébé, bébé? À la fin, ça fait mal. Et Dieu est en train de pleurer pour son église. Rempli des bébés, des prophètes bébés, des chanteurs bébés, des évangélistes bébés. Alléluia!
2 Samuel 16, 5 à 12 et 1 Corinthiens 13, verset 11. 2 Samuel chapitre 16, verset 5 à 12 et 1 Corinthiens 13, verset 11. Si on peut s'élever pour lire la parole de Dieu. Que quelqu'un dise, je ne serai plus bébé spirituel. Un bébé aime toujours manger la nourriture des bébés. De Samuel, chapitre 16, verset 5 à 12. Corinthiens 13, verset 11. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. 16, verset 5 à 12. La ville était arrivée jusqu'à Bachurim, et voici sorti de là un homme de la famille et de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Gera. Il s'avança en prononçant des malédictions, et il jeta des pierres à David et à des serviteurs de roi. Tandis que le peuple et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en le maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang. Méchant homme, l'Éternel fait retomber sur toi tous les temps de la maison de Saül, dont tu as occupé le trône. Et l'Éternel a livré le royaume contre les mains d'Absalom, ton fils. Et te voilà malheureux comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. Alors Abishai, fils de Zeruja, dit au roi, pourquoi ce chien mort, nous dit-il, le roi et le Seigneur. Laisse-moi, je te prie, aller lui couper la tête. Mais le roi dit, qu'ai-je à faire avec le fils de Tirouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David, qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles. On veut à ma vie, à plus forte raison que Benjamin. Laisse-le et qu'il maudisse car l'Éternel lui a dit. Peut-être l'Éternel regardera-t-il mon action et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11. Nous lisons au nom de Jésus. Au reste, frère, soyez dans la joie. 1 Corinthiens 13, 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Amen. Je pensais comme un enfant. Amen. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu un homme, je n'ai pas ce qui était de l'enfant. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Amen. Quelqu'un comprend? Amen. C'est David, c'est Paul qui dit... Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Avant de prier, je ne sais pas si tu réalises. Est-ce que ta façon de parler a changé? La façon de te comporter a-t-il changé? Quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Mais quand je suis devenu adulte, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfant. Seigneur, parle à ton peuple qu'à travers cette prédication, quelque chose change dans la vie des hommes et des femmes qui sont dans cette église. J'ai prié même pour nos jeunes enfants qui sont ici. Yahweh, fais grâce que ces enfants aient une vie exemplaire d'enfants de Dieu. Que Yahweh, personne ne méprise encore la vie de ces enfants que nous avons engendrés dans ce pays. Que ta grâce, ton esprit, soit avec nous au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir et acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia! Alléluia! Bien-aimé, dans le livre de 2 Samuel, 16, 5 à 12, nous avons vu quelque chose de très important. La Bible parle de David. Bien-aimé, David était dans un moment critique de sa vie. Quand je parle de moment critique, si on pouvait faire un examen psychologique de David en ces temps-là,
l'esprit allait dire non. Cet homme est en train de passer des moments difficiles. Alléluia. David venait de vivre un inceste dans sa famille. Alléluia. Un fils d'enfant est allé violer sa soeur. Regardez les choses qu'il vivait. Alléluia. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un, ce ne sont pas les situations que nous vivons qui vont faire que nous serons toujours enfants. Alléluia. Tu peux être spirituellement mature, adulte, malgré les circonstances que tu vis. Malgré même les adversités des gens de ton entourage. Tu montreras que tu as la sagesse de Dieu. La vie de vivait un homicide dans sa famille. Un fratricide, je dirais. Vous connaissez un fratricide? Le maître d'un frère. Alléluia. Comment le frère de Tamar, alléluia, est allé tuer son frère qui est allé violer l'autre soeur. Donc regardez les choses qui étaient dans la famille de David. Dès là, David vivait une trahison familiale. Son propre fils a fait le coup d'état. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, et il était en train de fuir. En fuyant, il rencontre quelqu'un de la famille de Saül, nommé Shimei, qui commence à lui parler, à l'insulter. Bien-aimé, si c'était toi, tu allais répondre. Mais très mal. Bien-aimé, lui qui était roi, un homme bien-aimé, dépourvu de puissance, était en train de l'insulter. Qu'est-ce que nous, nous ne ferons pas? Alléluia. David était un homme mature spirituellement. Alléluia. Mature spirituellement, même si on l'insulte, il n'y aura pas les coups par les coups. Il privilégie la parole de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que la personne a commencé que toi tu dois attaquer. Alléluia. Non, il n'avait que à savoir que l'action appelle la réaction. Non, tu n'es pas mature, tu es un bébé spirituel. Alléluia. Au moins, j'ai pris, mais j'ai mes limites, bébé spirituel. Tu es pasteur, tu es prophète, tu es évangéliste, chante. Si tu te dis, tu as des limites, tu es bébé spirituel. Au moins, ne touche pas, bien-aimé, bébé spirituel. Et je vous dis, c'est un fléau qui est en train de détruire toutes les églises. Amen. Les églises sont remplies de bébés spirituels. Toutes les choses, les problèmes qu'il y a dans les églises, c'est parce que les gens sont des bébés spirituels. On ne cherche pas qu'on parle comme ça à mon enfant, bien-aimé. Moi, je suis un nani. Alléluia. Jésus-Christ a dit, si à lui... Bois bien-aimé vert. J'étais à mon bébé sur ma salle et bongo et toi et moi, le bois sec. Mon bouc à bisou. Alléluia. Ne crois pas que les gens t'applaudissent quand tu réagis mal. Mais les gens voient que c'est un bébé spirituel. Nos églises sont remplies de beaucoup de bébés spirituels. Bébé, ce n'est pas l'âge, c'est la mentalité. Un bébé, il réagit sans même tenir compte. Alléluia. Ce matin, j'avais vu, je dis, ah non, le Seigneur veut que je prenne cette prédication. J'ai vu mon fils, il prend, bien aimé, vous voyez, le gilet rasoir. Il veut le petit ici, il veut couper ici. Je me dis, mais il va se couper, il ne sait pas. C'est un enfant. Alléluia. Un enfant bébé spirituel fait des choses en réalité qui peuvent les tuer. Alléluia! Oh, de quoi il parle? Moi, j'ai 20 ans, j'ai 50 ans, j'ai 100 ans. Bien-aimé, tu peux voir l'âge que tu as. Si, sur le plan spirituel, tu es bébé spirituel, tu le resteras. Alléluia! David n'était pas un bébé spirituel. Il avait la croissance. David a commencé par prêter les troupeaux de son père, obéissant. Alléluia. On ne peut pas te confier des grandes choses si tu n'es pas obéissant dans des petites choses. Alléluia.
Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne donne pas des charges à l'église. On ne donne pas. Mais bien aimé, dans les petites choses, tu n'es pas fidèle. Comment va-t-on des grandes choses? Alléluia. Bien aimé, aujourd'hui, quand vous entendez ou non, les gens d'église ont des problèmes. Non, les gens d'église n'ont pas de problème. Ce sont les gens qui sont dans les églises, le problème. Trop de bébés spirituels. Là où il y a des bébés, les bébés s'affrontent. Alléluia. C'est déjà été à la crèche, non? S'il n'y avait pas de youth dans des crèches, c'est dangereux. Les églises sont pleines de bébés. L'autre bébé s'en prend l'autre, l'autre. Et si le pasteur aussi un bébé, il prend pas des autres. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, je vous dis ce qui est vrai. Tu dois croître. David, dans cette émotion, un général, fils de Jérusha. Alléluia. C'est pas Jérusha, c'est un dieu, mais son papa, c'était Jérusha. Il lui a dit, Abishai lui dit, mais laisse-moi, je vais lui faire la peau. Regarde, regarde la réaction des bébés spirituels. Un bébé spirituel est toujours prêt à rendre les coups. Est-ce que Dieu te dit de rendre les coups? Oh non, moi j'aime pas qu'on me parle comme ça. Moi j'aime pas qu'on me réponde comme ça. Oh ma soeur, mon frère, tu es un bébé spirituel. Alléluia. Même les enfants. Alléluia. Bien aimé, je bénis le Seigneur. Hier, quand je suis en train de prier, je vis beaucoup de chrétiens de notre église et de partout avec des solitudes. Je vais vous acheter des tétines, vous. Alléluia. Vous verrez un papa, mais la façon dont il se comporte, mais vous vous étonnez. Bébé spirituel. Un bébé spirituel, vous allez voir, il n'a pas besoin de parler. Dans la façon de se comporter. Ici, bien aimé, je ne dis pas seulement les fidèles et les serviteurs et les servants de Dieu. Il y a beaucoup de bébés, les bébés spirituels. Bien aimé, ils sont là. Bien aimé, il y a d'autres. Je vous montrerai un homme de Dieu qui dit à quelqu'un qu'il n'y a qu'une église d'Angaté. Comme si lui, il a versé de son sang pour une église. Bébé spirituel, c'est ton église. Comme je suis là, alléluia. Que je te dise, ne viens plus à mon église, suis-je? Est-ce que j'ai une église, moi? Bébé spirituel. Alléluia. Alléluia. David, oh, c'est l'image d'un homme mature, spirituellement. Il dit, laissez-le. Mais est-ce que tu dois suivre tout ce qu'on dit? Tu dois suivre tous les coups qu'on te donne? Mais la parole de Dieu dit, maman, la parole de Dieu dit, le royaume de ses forcés, ce sont les vaillants qui s'en emparent. On va violenter, piquer à l'église. Bébé. Sœur Sandrine, l'église, et c'est pour les vaillants. Les adultes. Alléluia. Tu m'insultes, je n'ai pas besoin de te répondre. Je vais dire à celui qui est notre Père en nous. Alléluia. Les églises, les gens ne se parlent pas, ne s'entendent pas, les bébés spirituels. On a ce qui m'a fait là, bien aimé, ce qu'on t'a fait, tu sais ce qu'on a fait à Jésus? Bébé spirituel. Les chrétiens ne croient plus. Alléluia. Amen. Bébé. David a dit non. Peut-être que c'est Dieu qui a permis que Shimei m'insulte. Peut-être Dieu aura pitié de moi. Bien aimé, vous voyez la grandeur d'âme d'un homme mature. Il cherche toujours une explication spirituelle. Même si la personne t'insulte, mais tu te dis, c'est Dieu qui a permis. Est-ce que c'est vrai aussi? Pourquoi nous disons souvent que Dieu permet le bon, mais il peut permettre aussi les mauvaises choses? Dieu peut permettre que quelqu'un vous manque du respect. Moi, combien de fois, bien aimé, depuis que je suis même ici en Belgique, combien de gens vous avez vu manquer de. Je ne réponds pas. Je ne réponds pas. Que Dieu bénisse ton amen de Karine. C'est vrai. Pourquoi je dois répondre? Je ne répondrai pas.
Alléluia. Un homme de Dieu, bébé, va répondre, bien-aimé. Un homme de Dieu, un serviteur, un servant de Dieu, un enfant de Dieu, qui n'est pas mature, qui est bébé, il va utiliser les prophéties, les prédications comme arme de destruction. Bien-aimé, abandonne yo. C'est un arrêt là-bas, c'est un pasteur Mawa. C'est Dieu a bali un homme de Dieu, bébé. C'est ma père Nanda ou l'église. Bébé spirituel. Les bébés spirituels, il y en a beaucoup. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Mieux vaut repère sa terre pour lui, ma gambo. Elle sait pourquoi. Alléluia. Bien aimé, vous qui aspirez à servir Dieu, ne soyez pas des bébés spirituels. Papa Lambert. Là où on marche sur vous, comprenez que vous devenez un vrai enfant de Dieu. Magnature, l'obité, oui. Vous êtes là. Alléluia. Tu sais toi-même, si vous avez un problème, na mutuana, pasteur, wana, bien aimé, sur l'écran, la télévision, na ba réseaux sociaux, vivre. Bébé. Moi, je dis seulement ça, c'est un bébé. Il y a des prédications des bébés. Il y a des prophéties des bébés. Il y a des gens qui ont des prophéties. Pour que tu sois là, qui naïe, tu vois ce qu'il te dit. C'est-à-dire, bien-aimé, bébé. Quand on a commencé à prier, on avait un groupe d'intercession fort, prophétique. Il y avait un il est aujourd'hui apôtre, que Dieu le bénisse, apôtre Jacques. Alléluia. Il a proposé une sœur, la sœur Rose, ma cousine qui est à Londres. Rose n'a pas voulu. Alléluia. Et puis bien aimé, est-ce que si tu proposes à quelqu'un beau, il y a ma bête? Où est le mal? Que les frères disent à même. C'est que Simbi, on te yo, ça, ya yo. Alléluia. Parce que les bébés spirituels dans les églises, ils te font la proposition boy, bien aimé, yebage au Memingam. La sœur là, c'est une païenne, païenne. Alléluia. On avait une intention puissante. Pasteur, prophète, apôtre, chacun a commencé à prophétiser. Rose, Rose, ce qui n'a pas bien frappé, yo. Là, c'est Dieu qui parle. Je me rappellerai toujours. On est avec un frère qui est Papi Kamango, qui est à Londres. Il a été habité vieux. Ça va signer qui vient. Bébé spirituel. Alléluia. 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 Spirituel peut utiliser, bien aimé, même la chanson. Alléluia. Yembrabo. Abando bo akelozoka. Tanzembo. On a salinio. On a sepelisabata mokili. Bango balingi nga tenkolo. Il sait. Toi-même, tu sais que là, on va quel anga. Bien, mais où va le monde, où va l'église? Alléluia. Il t'a fait amen. Les églises sont remplies de bébés spirituels. C'est pour cela que vous allez voir. Même le monde nous regarde en disant non. Bien, mais si on regarde vos statuts, alléluia, les réseaux sociaux, il y a des gens qui appellent que les réseaux sociaux, ah, on a bébé, on a bébé, on a. Alléluia. Même la prédication que je prêche, il y a Robi Misango. Achète la statue. C'est un salaire d'évangélisation. Bébé spirituel. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aimerais que Dieu fasse de cette église des hommes et des femmes qui sont matures spirituellement. Alléluia. Comme David, alléluia! Bien-aimé, il y a certaines choses où tu te fâches pour rien. Un homme mature comprend. La Bible dit, vous qui êtes fort, supportez les faiblesses de ceux qui ne sont pas. Alléluia! Tu me manques du respect, je comprends.
c'est sa faiblesse. Amen. Même si ça me fait mal, je t'aimerai toujours. Amen. Mais ce que je ne vais pas faire, c'est laisser de me marcher sur la tête. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Mais Yotin, ah, il a dit ça. Et puis des fois, bien aimé, et son parabino, Rémi, je vais te dire un exemple. À Kinshasa, il y avait un couple. Dans leur chambre, ils voient une souris entrer et sortir. Babinier, souris, souris. Le mari a dit, ah, oh, il est entré dans la cuisine. La femme a dit, non, papa. Je l'ai vu, il s'est dirigé vers les toilettes. Elle a dit, mais n'avez-vous mis ça? C'était vers le père. C'est d'abord, dans la cuisine. Il a dit, non. Parce que maman a tellement dit, papa, vous en avez mis sur mon athéoni. Hein? Tu me parles comme ça? Moi, depuis ma naissance, je n'ai pas comme pas. Et puis, quand on met à moi, si n'est pas tout baillé, ni papa, ma kabouli, et moi, ça qui m'a pas la bango. Et quand on va vendre ici, on va tout dans ma kabouli, ni, on pouk. Vous savez, vous qui êtes fort, supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas bien aimés. Qu'est-ce qui importe? Ce qui est quand on est dans la cuisine, notre problème, tout le gâteau, bimi, ça y est. Bébé spirituel. Il regarde trop de petits détails. Tu vois, quand je prêche là, un bébé spirituel dit Ramon, il passe à zo bois que la telle. Il n'a pas fait la moutouté. Alléluia. C'est pas mon temps. Si je vous ai vu avec vous, ça fait 20, 22, 20 ans. Je ne peux pas utiliser la chair pour parler de quelqu'un. Jamais. Vous le savez. Même si j'ai peut-être mes faiblesses, mais pas celles-là. Vous le savez. Je ne pourrai jamais. Alléluia. Spirituel, bien-aimé, vous les reconnaissez dans son langage. Il est toujours là à murmurer. Oh, ça ne va pas. Bien-aimé, pourquoi toujours? Non, il chante, mais ah, moi je vois que la chorale, ça ne va pas. Mais elle est là pour chanter, il ne pourra pas, bébé spirituel. À ah, voir, mais la façon de berger modéré, de voir que mais là, il ne fera rien, bébé spirituel. Bébé spirituel, il est toujours. On a mon abat, maman église, ils font bébé spirituel. Un bébé spirituel ne fait que critiquer. Alléluia. Un bébé spirituel, il aura coup pour coup. On lui parle, il répond. Un enfant qui n'est pas spirituel. Même les parents ont peur de toi. Vous savez, il y a certains enfants, les parents ont peur. Au soir, lobby, moi, on a gangé tellement. Papa, son bang, on a eu que. Non, il y a un le beau quoi, et là, moi, on a eu salami à bangi. Moi, on a eu. Un enfant doit écouter quand les adultes se parlent. Alléluia. Nous, on avait, tu as même raison, mais pour papa zo le boyo qui caca. Un enfant ne répond pas quand un parent parle. Alléluia. Non, je m'adresse à vous, enfants. Mais vous, ce n'est pas ça. Même quand, alléluia. Surtout les enfants qui vivent soit chez maman ou chez papa. Il faut faire attention à ces enfants. Oh papa, tu sais, maman avait dit des choses, bon. Moi, je dis, mais toi, tu es mon papa, hein? Moi, tu es mauvais enfant. Est-ce que les choses des adultes, c'est ton problème? Alléluia. Nous, on avait une intelligence telle que maman te demande des choses du papa. C'est-à-dire, il y a moi au limba. Papa, maman, je ne sais pas. Parce qu'on nous a dit les choses des adultes, ça ne nous concerne pas. Alléluia. Oh maman, maman, j'ai vu dans les, sur l'internet, les papa a fait ça, mauvais enfant. Ton papa, c'est ton ami. Ta maman, c'est ta copine. Bébé spirituel. Alléluia. Bien aimé, ça ne vous fait pas mal de voir comment on parle mal des églises. On voit la façon dont on se comporte. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Bien-aimé, quand tu étais païen, tu avais une manière de parler. Quand tu es chrétien, tu dois changer ta manière de parler. Amen. Alléluia. Il y
y a un langage propre aux bébés spirituels dans les églises. En allongé dans l'église. Bien, mais regarde ton palmarès, bien-aimé. C'est Benayo, au Kenata, ma sainte église. C'est pas bon. Alléluia. Et tu vas changer combien d'églises, mon frère? Même toi qui me suis. Oh non, moi, il me reste seulement dans le pétel, dans le plomb. Alléluia. Alléluia. Un bébé spirituel. Alléluia. Vous savez pourquoi on est dans l'église? D'abord, église. Église, c'est quoi? C'est l'assemblée des gens. Alléluia. Qui ont fui le monde, ils sont maintenant dans le Seigneur. Alléluia. Oh non, tu as vu comment il me regardait? Bébé spirituel. Bien aimé, les yeux sont faits pour voir. Alléluia. Tu veux qu'il te regarde avec les oreilles? Il t'a regardé. Allez, comme là, je te regarde. Il n'y a rien de mauvais. Vous savez, ce n'est pas la personne qui regarde les problèmes, mais c'est l'intention de la personne qui voit qu'on la regarde mal. Alléluia! Alléluia! Même sur les plans spirituels, il y a beaucoup de bébés dans les églises. Ils veulent toujours dépendre des hommes. Alléluia! Bien-aimé, la Bible dit qu'en Jésus, bien-aimé, a dit tout est accompli, nous tous on a eu accès au sein des saints. Amen. Tu ne dois pas dépendre des gens. Il y a des gens, bien-aimé, même pour un simple mot de tête, il doit appeler le prophète qui était à quel pays là. C'est pour cela que les gens vous disent non, avant de te parler, achète-moi comme ça. Parce qu'ils voient. Cette amène-là, c'est bien, il y a une maman, bien aimé, un prophète lui a dit, moi, avant de prier pour toi, maman est là, Abi, il faut dans la voiture, taille mon. Parce qu'il sait que tu es bébé spirituel. Alléluia. L'église empêche, je veux que vous arriviez à la maturité spirituelle. Avant de dépendre de quelqu'un, tu dois savoir que Christ est mort pour toi, son sang est versé pour toi. Alléluia. On est trop des bébés spirituels. Les bébés spirituels, quand c'est des choses spirituelles pour prier, ils ne viennent pas. Mais ils sont là seulement. Alléluia. Bien, mais la manière de grandir, c'est quand on se réunit dans des prières. Alléluia. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent. On était ici à 6 heures. Hier, j'ai vu des gens venir de Nazareth. J'ai vu des gens venir des Gand, des gens de loin. Alléluia. C'est quelques games qui viennent. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Mais il y a des gens de Bruxelles ici. Tu ne sais même pas qu'on était ici en prière. Mais il suffit seulement que tu vois une toile d'araignée. Alléluia. Dans ta cave où toi-même tu ne nettoies pas. Allô? Alléluia! Il y a des choses. Tel que tu es là, tu dois assumer en tant qu'enfant de Dieu. Un adulte, il y a des choses, il regarde, il dit, bien-aimé, j'ai été enseigné au nom de Jésus-Christ, ça c'est rien. Alléluia. Là où tu es limité, tu appelles l'homme de Dieu. Mais alléluia! David, c'est l'image des hommes et des femmes d'église mature, adulte. Alléluia. Tu ne réponds pas coup sur coup. Et il y a des gens au bétail. Alléluia. Oh, bien aimé, les Congolais, bah, comment on finit même la langue, vous savez? Une de tes rebats, c'est que rebats, y a tout, y a un là. Y a des gens, y a des gens, Alléluia, bébé spirituel. Alléluia.
Je ne sais pas si tu comprends. Un bébé spirituel prend toujours des décisions comme un enfant. Alléluia. Mais si nous aussi on devait prendre des décisions, un jour vous allez voir, vous venez, vous voyez, ma femme et moi, on n'est pas là. Alléluia. Alléluia. C'est rien, c'est le travail de Dieu. Vous êtes ensemble. Là où les hommes vivent, hein. Si tu ne veux pas qu'on puisse te faire des couacs, va dans le cimetière. Tant que tu es vivant, même à la maison, tu auras. Même si tu changes d'église, là où tu iras, il y aura des problèmes. Les problèmes, après, tu verras, ce n'est pas les gens, c'est toi, bébé. Alléluia. Bien-aimé, un serviteur de Dieu, bébé, vous allez voir, même dans sa manière, le langage, vous verrez ça, c'est un bébé. Alléluia. Au métier, il reste, il prend les réseaux sociaux à petit payo. Bébé spirituel. Est-ce que tu dois réagir? Alléluia. Les gens, les papas, les mamans, les chanteurs, les intercesseurs, tout le monde, mes collaborateurs, comprenez, le royaume des cieux appartient aux courageux, aux vaillants. Bien-aimés, si tu n'es pas vaillant, tu vas abandonner. Alléluia. Le diable peut toucher quelqu'un. Abandonne le bisou tout le monde, comment tu me sois allié. La façon dont le bélo talip. Alléluia. Mais je comprends. Alléluia. Il y a deux sortes d'hommes dans les églises. Il y a les hommes qu'on appelle hommes animal et les hommes spirituels. Un bébé spirituel, c'est un homme animal. Un homme animal, c'est un homme qui réagit comme un animal. Alléluia. Tu les touches à zone ici. Alléluia. Et il dit, gardez frotté, une fois avec action, bébé spirituel. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'amen. C'est pas grave. Même mon papa Charles, je ne l'entends pas. Alléluia. Si même dans nos familles, on a des chrétiens qui ne sont pas bébés spirituels, les familles vont changer. Un chrétien bébé spirituel, il prend tout au premier degré. Alléluia. Bien-aimé, la façon dont on a parlé à David, David a regardé pas qu'on mette à mouton parce qu'il était roi. Et le type là, laisse-moi tuer ces chiens. Bien-aimé, alléluia. David a dit non, laisse-le. Qui peut dire ça? Toi d'ailleurs, tu vas dire, ah, tu es mon ami. Au Québec, on a besoin de ma belle nga yo chali bio ebisinga na oyebisa nga moi ba moi on ne joue pas avec moi. Moi on ne joue pas. Quand tu vas quelqu'un dire moi on ne joue pas avec moi, dis bébé. Moi bien aimé, papa Désiré, Jésus Christ, celui que nous suivons, notre maître. Moi qu'elle est soi. Parce que ça dit papa Désiré, si vous suivez Jésus pour que vous ayez les honneurs, c'est que vous n'avez pas compris. On nous appelle des serviteurs. Un serviteur est un esclave. Vous savez ça? Alléluia! C'est un esclave. Seus. Il y a des gens qui ont fait le latin. Seus, c'est un esclave. C'est-à-dire, c'est un travail bien-aimé où toi, quand tu parles, hein? Alléluia! Tu dois savoir. C'est comme ça, Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Alléluia. Il faut savoir parler. Surtout les mamans, savoir parler. Ça fait 10 ans que tu es à l'église, mais ta façon de parler, quand tu ouvres la bouche, tout le monde... Ton papa, comment on parle en aïe? Même les camarades ont raison, appelle sur raison. Est-ce que vraiment on a raison? Alléluia. Dans les couples, il n'y a pas de problème. Et qui a raison, qui a tort? C'est le problème de trouver des solutions. Alléluia. Osaka, Alléluia.
Soi ka bongo na mutema loba bébé na kwena yo. Alléluia. Il y a des gens qui ne prient pas, qui ne viennent pas dans les églises, mais la façon dont ils parlent, tu vois, Moutoyo, attend un respect. Nous, on n'a pas ça. Alléluia. Pierre, on l'a reconnu qu'il était serviteur, disciple de Jésus à travers son langage. Le langage, papa. Il y a des gens, quand vous voyez comment ils parlent, il y a des enfants, quand vous voyez comment ils parlent de leurs parents, tu te dis, mais est-ce que ça, c'est un enfant de Dieu? Bébé spirituel. Et un bébé spirituel, quand on prêche la vraie prédication, il dit, « Awana baobwa kelanga. » Parce que lui, il aime seulement qu'on puisse le cajoler, qu'on puisse bien aimer, prêcher, lui donner bien aimer. Un enfant aime toujours le lait maternel. Mais bien aimé, les adultes ont besoin de la chikwang, ont besoin de foufou bien fort. Amen. Alléluia. Les bébés spirituels ont des ennemis partout, même dans les églises. Un bébé spirituel, alléluia, il peut avoir des problèmes pour rien. Alléluia. Pour rien. Tu lui demandes, pourquoi tu as quitté? Pourquoi tu ne veux plus parler? Pourquoi on ne te voit plus prier? Oh non, moi j'aime de l'ordre. Bien-aimé, tu aimes de l'ordre. Alléluia. Mais viens mettre l'ordre, alléluia. L'ordre, on ne parle pas. Que quelqu'un me dise amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais donner deux signes qui montrent rapidement qu'un chrétien est encore bébé spirituel. Il y a deux signes. Premier signe, ce sont des gens qui murmurent toujours. Alléluia. Si tu vois un chrétien qui ne fait que murmurer, ça dit bien aimé, alléluia. Oh non, mais moi, ma vie ne va pas. Alléluia. Ta vie ne va pas. Mais regarde, quand tu étais païen, est-ce que tu étais comme ça? Alléluia. Quand elle était où il était célibataire, il pleurait. Dieu lui donne l'enfant et le mariage. Ah. Nous avons ça dans la tête. Nous avons ça dans la tête. Mais bon, bien-aimé, réjouis-toi d'abord avec ce qu'il fait. Alléluia. Actes chapitre 6, verset 1 à 4, vous verrez, dans la distribution des vivres, la Bible dit, les disciples d'origine hellénique, les Grecs, ont commencé à murmurer. Le murmure, c'est le langage des bébés spirituels. Bien-aimé, un chrétien qui est bébé spirituel sera toujours en train de murmurer. Bien-aimé, alléluia! Les Cambonos, est-ce que tu penses qu'un pasteur, je vais vous dire une vérité, aucun pasteur n'a le monopole de répondre, de changer la vie de quelqu'un. Si moi je te disais, je mentirais. Alléluia! Nous prions, c'est Dieu qui agit. Dieu donne à chacun selon ce qu'il veut. Alléluia! Si ça dépendait de moi, bien-aimé, ma prière, c'est que vous tous vous soyez bien. Mais ça dépend de lui. Lui sait. Alléluia. Alléluia. Un bébé spirituel peut se fâcher même en disant que c'est son pasteur le problème. Ce n'est pas le pasteur. Vous savez, ce n'est pas lui. Oh non, mais moi je vois. Baponaka, ponaka. Ça, c'est un bébé spirituel. Alléluia. Un bébé spirituel, il est un danger pour lui-même et pour les autres. Parce qu'un bébé spirituel peut transmettre la bébérie spirituelle à son entourage. Il peut leur transmettre l'envie de prendre du lait, des tututes. Alléluia. Oh, mais est-ce que tu sais que cette maman-là, tu vois la façon dont... La façon dont elle te regarde, toi tu vois qu'elle est, elle est bien, elle te regarde mal. Moi j'ai vu. Attends, je vais voir aussi, bébé spirituel. Alléluia. Bien-aimé, chacun a sa façon de regarder les gens. Elle n'a pas de... Bien-aimé, toi tu penses que tout le monde qui est là, qui a des problèmes, ses propres problèmes, avant d'accord, quand ça va, il y a eu...
à moins qu'il y ait des gens comme ça, en tout cas, bébé spirituel caca. Bien aimé, dans ce monde ici, on a beaucoup de problèmes. Bien aimé, dans chaque foyer, dans chaque famille, on a au moins des problèmes. On cherche que Dieu résolve. Alléluia. Même en matière de problèmes, un bébé spirituel ne sait pas trouver des solutions. La Bible dit ceci. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. À Christian, là, je n'avais pas bien compris. Ah, excuse-moi. Si lui, il est bébé spirituel, il y a encore. C'est un bébé. Vous savez, il y a des gens qui tout n'aient pas. Il y a encore une affaire. Où ça? Mais tu vois, ça s'appelle l'église. Pourquoi? Pourquoi vous êtes embêté? Alléluia. Si tu as un problème avec ton frère, va le voir. Si ça ne va pas, la Bible dit, va prendre deux ou trois témoins. Alléluia. Regardez, il y a ce problème. Papa Désiré, regardez. Ben j'ai des problèmes avec mon ami là, à l'église, mais on ne s'attend pas. Venez un peu. Les trois personnes viennent, ceux qui sont invités, vous amenez à l'église. Soyez invités à l'église, Moutouana va déclarer païen. Donc c'est un bébé spirituel qui ne changera pas. C'est un bébé en coco laté. Alléluia. C'est comme il y avait un moment là au Congo, les madames qui venaient, je crois, de Kivu. Je ne sais pas si on pas à Bino, à Toké école. Au Songi, au Toké Sango Kaka. Je ne sais pas si on parle à Bino. Maman, je vais avoir une stratégie, mais carbonate. Papa Désiré, c'était des haricots très forts. C'est-à-dire, maman change la carte, il chante, elle peut changer de l'eau. Et lindement, il serait moins couleur, moins noir, moins vert. Il y a pas soda. Maman est bien. Si chez vous, quand on va aller à l'école, tu vois ta maman faire sortir ça, tu commences à pleurer. Les bébés spirituels sont comme ça. Même si tu prêches, comme je prêche là, il s'est dit, à terre, Anaïe, moi, rando na rando. Bien, mais tu n'es pas un chrétien. C'est-à-dire, en plus d'être bébé, tu es un païen. Parce que la Bible dit, mes brebis connaissent ma voix. Un vrai enfant de Dieu, quand il entend la parole de son père, il dit non. Là, j'avais mal fait, je vais changer. Moi, je vais chercher à changer. Ça, c'est un enfant de Dieu. Oh non, moi pour moi en tout cas, je suis un bouquet de nos ors, œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, le copain a zongi ça. Tu n'es pas de Dieu. Alléluia. Vous savez pourquoi David n'a pas remis. David a compris. Alléluia. Non, Lukanzambe Koutou, Asalangangolo. Bien aimé, il y a des choses pour lesquelles on cherche que Dieu nous fasse grâce. Bien aimé, lui, c'est parce que toi, tu es en train de demander à Dieu. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais ce que tu attends de Dieu. Alléluia. Ne te distrais pas. Alléluia. Bien aimé, comme on est là, vous nous. Bon, y a vanité. Peut-être pour vendre, mais il y a vanité. Qu'est-ce que lui cherche? Il a besoin de son Dieu. Peut-être toi tu es bien, mais lui, il a besoin que Dieu fasse quelque chose. Alléluia! Ne te laisse pas distraire par les bébés spirituels. Alléluia! Le bébé spirituel, c'est celui ou celle qui est toujours là pour te dire ton sang est la mouquet, la mouquet, il peut mouquet, bébé spirituel. Ton mère la massanga mouquet, ton sang est la paix mouquet, bébé spirituel. Tobina mokili mouke, tobina pe makamanzambe mouke, bébé spirituel. Toyoka, RNB mouke, toyoka pe anzambe mouke, bébé spirituel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je ne sais pas si toi tu es de notre race. Nous sommes de la race des gens, si nous abandonnons Dieu, Ezam Mawa. On n'a pas de gens qui peuvent nous aider. On n'a pas de gens qui peuvent, bien aimé, on a des combats. Quand à Dieu qui peut nous aider. Si toi, tu es bien, c'est toi.
Alléluia. Moi, comme je suis là, pour que mes enfants soient bien, vivent bien, j'ai besoin de Dieu. Je viens d'une famille où tu as été déjà verrouillé. Alléluia. Si tu as un bébé spirituel, tout va bien. Tant mieux. Tu sais, quand quelqu'un te dit tant mieux ou tant pis, il faut comprendre la nuance. Alléluia. Il murmure toujours. Deuxième chose, qu'ils réagissent mal. La réaction. Est-ce que tu es obligé seulement de réagir? Surtout les enfants. Vous êtes les enfants qui viennent à l'église. Même si on te fait quelque chose. Les enfants, regardez-moi. Alléluia. Mon fils, le beau gosse, fais un peu comme ça. Le beau gosse qui est là aussi. Vous tous êtes des beaux gosses. Faites comme ça, les beaux gosses. Écoutez-moi, tous les... Il faut... Toi, tu es comme Félanie, hein? Tu joues au foot. Ah, mon fils, c'est pas jouer au foot. Tu n'aimes pas. Alléluia. Soyez des enfants de Dieu. Alléluia. Aimez Dieu. Alléluia. Fuyez les mauvaises choses. Exaucez, aime Dieu. Alléluia. Alléluia. Bouge un peu la personne à côté de toi. Dis-lui, ne sois plus bébé spirituel. Un bébé, ce n'est pas un âge. Alléluia. Vous pouvez voir une maman dans une église, 30 ans, 40 ans, mais bébé spirituel. Un vrai chrétien, papa désiré mature, même dans son accoutrement, on sait voir. Si, alléluia, bébé spirituel, regarde, maman, mais. Chip. Oh, qu'est-ce que. Damba, t'as la rentrée, t'es. Ya, solo, ya. Viens, viens, maman, des mains, alors. Alléluia. La façon dont on s'habille quand on est dans le monde, un homme spirituel doit changer aussi. Alléluia. Alléluia. Surtout les mamans, vous dites amen. Bola t'as bien. Bola t'as bien. Alléluia. J'ai entendu. Parce que moi, j'entends beaucoup quand je vais même au salon, les païens. Ah, il dit que Petit, on a la table, moi. Petit, on bouilla. Mais c'est toi-même. Alléluia. Et toi, tu penses que si tu t'habilles comme ça, c'est ça. Alléluia. Il y avait des noko qui disaient, à l'époque, Les films enfants non admis, c'était des, à l'époque où on était jeunes, c'était ciné Gabi, ciné Léopard, des ciné comme ça, où on regardait l'âge. Mais maintenant, si tu as besoin de films non admis, tu peux aller seulement dans la rue, tu verras l'accoutrement. Alléluia. Et je vais dire aux gens, vous les filles qui laissez les habits, les ventres dehors, un sataniste peut prendre tes enfants rien qu'en voyant ton nombril. Amen. Je vous dis, un sataniste peut voler ta conception parce qu'il a vu ton nombril. Alléluia. Les chaînes aux pieds. Maman Zango. Alléluia. C'est pas bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça montre qu'on est bébé spirituel. Alléluia. Amen. Et le fait d'être bébé spirituel, ça peut même, bien aimé, nous empêcher d'être enlevé si Jésus venait. Est-ce que vous savez? Parce que la Bible dit que quand il viendra, il va attirer vers lui son église. L'église de Dieu est sans ride.
Alléluia. Alléluia. Tu dois croître. Ta façon de parler doit changer. Ta façon de prier doit changer. Ta façon de parler doit changer. Ta façon même de vivre doit changer. Ta façon de répondre doit changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es obligé seulement de réagir par les réseaux sociaux? Parce que moi, je sais voir dans les statuts de quelqu'un, même moi, pas moi, même tout le monde, c'est voir si ça ne va pas. Moi, je regarde toujours, quand tu vois quelqu'un prendre dans son statut, dire, bah, Ninga Mukili, ma B, c'est que la Bible dit, vous qui êtes fort, supportez la faiblesse de ceux qui ne le sont pas. Alléluia. Si vous voulez bien vivre avec les gens, si tu es chrétien, supporte les faiblesses des autres. Alléluia. Quand on était païen, on avait une manière de parler. Alléluia. Moi, je vois les enfants, quand ils viennent dans les scénarios, tu vois leur façon de parler. Et peut changer. Avant il était wesh wesh. Avant il était, mais quand il vient dans le Seigneur, ça doit changer. Alléluia. Même s'il y a encore des verlots qui restent, mais tu sens qu'il y a un changement. Daddy, non, quand je suis wesh wesh. Alléluia. J'avais dit, je vais le dire. Je vois mes collaborateurs. Papa Désiré, berger. Berger, on a commencé avec lui, c'est petit. Il n'avait même pas 20 ans. En 96. Jusqu'à aujourd'hui. Vous pensez que lui et moi, tout ce que moi j'ai dit, il adhère. Dites-moi un peu. Il n'adhère pas. Il y a certaines choses, il n'est pas d'accord. Mais est-ce qu'il est... Je n'ai jamais vu un jour me dire, « Ah, vieux, tu es dans quoi, Nayo ?» Est-ce que c'est d'abord mon église? Alléluia. Bien-aimé, nous confondons. L'église, ce n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est l'église de Dieu. Je ne l'ai jamais vu. Pourquoi? Parce qu'il sait, ce n'est pas mon église. Alléluia. Moi, tout comme lui, tout comme Papa Désiré, nous tous, nous travaillons pour que Dieu nous rémunère. Chacun à sa manière, alléluia. Bien-aimé, on reconnaît l'ouvrier à son salaire. Nous contredisons au Congo, le 20, c'est là qu'on voyait les militaires souriants. Tu passes à côté des camps Kokolo, tu vois tous les soldats en train de danser le 20. Alléluia. Est-ce que quand Dieu rémunère, tu es parmi les gens que Dieu va rémunérer? Alléluia. Il y a aussi une chose, vous qui servez Dieu. Un bébé spirituel peut même laisser son poste sans même prévenir. Tu joues au synthé, tu es modérateur. Bébé, c'est un papa. Papa désirait un papa plus âgé que moi. Mais si il va aller quelque part, il me dit, pasteur, je vais me déplacer. Ce n'est pas que je lui manque du respect, mais c'est il est mature spirituellement. Je n'ai pas son âge. Mais ce n'est pas le serviteur de Dieu. Un homme m'avait invité, qu'est-ce que lui dit? C'est le corps du Christ. Bien-aimé, oui, c'est le corps du Christ, mais avant d'aller, préviens ou laisse les dispositions. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Imaginez-vous, moi, comme je suis là. Alléluia. On m'invite quelque part. Je dis à personne. Vous vendez en abonnement. Maman Karine n'est pas là. Je ne suis pas là. Vous attendez Moté à Zaté. Berger qui venait de modérer. Il regarde. Papa Désiré, est-ce que vous ne pouvez pas prêcher? Bien, c'est le désordre. C'est un manque de respect envers Dieu pour moi. Et combien de fois ne manquons-nous pas de respect à Dieu? Alléluia. Alléluia. Que quelqu'un me dise amen.
Oh non, mais qu'est-ce qu'il raconte? Moi, j'ai invité, c'est les choses de Dieu, c'est les choses de Dieu. Oui, c'est les choses de Dieu, mais il y a un ordre. Alléluia. C'est pas mauvais. Alléluia. Ce que je vous dis, Papa Désiré, moi, on me l'a appris, j'ai assimilé cela. Je vous dis, depuis 94, s'il y a des églises où je suis allé, il est qui sainteté. Il est quitté. Vous savez ça? Il y a des églises ici qui m'appellent, mais j'ai une manière de décliner. Alléluia. Quand je parle, surtout les gens qui chantent pour Dieu, les gens qui jouent, alléluia. Papa, nandenga oyate, nandenge, boyo kakaka, mettez une place, mon gobo yébite. Est-ce que là où il va, alléluia, berger papa Mobimba. Allez, on a plein de kanga koutou. Alléluia. Il était à Kinshasa. On l'a invité à une église. Il m'appelle. Papa, prie pour moi. Je vais aller. Regardez. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la croissance. Quand quelqu'un est en train de croître dans la vérité, il croîtra. Alléluia. Donc il sait. Et quand il est parti, moi je suis là. J'ai dit, ah, il est mon fils en train de prêcher là-bas. Seigneur, que ton parapluie le suive. Je suis là. S'il y a un combat, alléluia. Tu es là, tu dis rien. Tu es allé prêcher dans. Tu es allé prier dans une maison. Tu as prêché, et tu commences à avoir mal au dos, mal à la tête. Tu ne dis pas. Dis-nous, c'est pas si tu étais d'abord allé là-bas. Alléluia. J'aime la croissance. Quelqu'un qui a cru normalement, il était bébé, il devient adolescent. Alléluia. Quand je parle d'adolescent, hein, vous comprenez un adolescent, même l'âge de puberté arrive dans les ministères. Même quand on prie, l'âge de puberté arrive. Vous comprenez l'âge de puberté? L'âge où tu commences à sentir l'onction, tu commences à sentir l'envie de prophétiser. Quand tu vois tout le monde, il faut que ça soit encadré. Si ce n'est pas encadré, tu risques de rester bébé spirituel. Alléluia. Alléluia. Pour croître, la Bible dit, il persévérait dans les enseignements des apôtres. Si tu ne suis pas les enseignements, tu ne croîtras pas. Si tu n'es pas dans des prières, bien aimé, les gens qui ont été avec nous pendant toutes les veillées qu'on fait et on continue, vous voyez déjà des changements dans vos vies parce que, bien aimé, quelqu'un qui s'approche de Dieu est différent. Alléluia! Un bébé spirituel n'aime pas avancer. Un bébé spirituel est toujours là. Discussion. Discussion. Rando. Trop de problèmes avec les autres. Bien aimé, Jésus revient bientôt. Alléluia! Les années que tu as faites à l'église, si tu croissais normalement, tu ne serais pas au stade où tu es. Alléluia. Un bébé spirituel, c'est un danger, je le répète. Et pour lui-même, et pour son entourage et son église. Vous savez comment? Il peut commencer à utiliser la prophétie pour détruire. Vous savez? Alléluia. Alléluia. Nous, on est parti dans des maisons, tu vois, une maman qui pleure. On a dit que cet enfant-là est sorcier. Moi, nous, on a habité. Il n'est pas sorcier. Alléluia. Vous n'avez jamais remarqué, même les serviteurs de Dieu, bébés spirituels, quand ils vont dans des maisons, c'est toujours les enfants des parents qui ne sont pas là. Je ne sais pas si vous comprenez. Jamais. Alléluia. C'est toujours l'enfant des autres. Alléluia. Et bon, on va nous quitter. Alléluia.
Vous voulez qu'on voie un signe principal qui montre qu'un serviteur de Dieu est bébé spirituel? C'est dans les langages. Il y a beaucoup, mais je cite un dans les langages. Il dit souvent « mon église ». Alléluia. Moi, quand je vois des gens dire ça, je comprends. Alléluia. Un bébé spirituel, même s'il devient serviteur de Dieu, il est dangereux parce que il ne parlera de l'église comme si c'était son bébé. Bien-aimé, personne. Est-ce qu'il y a un serviteur de Dieu qui est mort et versé son sang pour l'église? Comment je peux dire que c'est mon église? Oh, si tu es là, tu ne veux pas suivre ce que j'ai dit, c'est mon église et pars. Bébé, c'est pas ton église. Même moi, comme je ne sais pas mon église. Alléluia. 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 Demande-lui, quand est-ce qu'il a versé le sang pour l'église? Est-ce qu'il peut même? L'église est si comme si ils étaient à un certain moment à côté de chez nous, là. Vous connaissez les grands marchés. Rwakadingi, il y avait un parc à côté du zoo. Ils étaient là, pour les zoos botaniques. Il y avait jardin botanique et jardin zoologique. Botanique, c'était là où il y avait des fleurs, c'était à gauche, du côté du marché. Et zoo, c'était du côté de l'hôpital Mama Yemo. Vous vous souvenez? Si tu ne sais pas, je t'apprends. Alléluia. Maintenant, il y avait une maman de cette église-là qui a eu un problème et on est allé dire à maman Olangi. On lui a dit, cette maman-là a dit ça. Maman Olangi a pris le micro. La maman-là était là. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est mon église, ne viens plus jamais. La maman l'a dit, non, Kende, tes églises notaires, le bail au Kende. Alléluia. Non, vous rigolez, mais c'est vrai. Après deux jours, maman Olangi est revenue dans le micro pour dire Nzamba Pambola Maman Wana. Parce que c'est l'église Nangate. Alléluia. Est-ce qu'un chrétien peut dire ça? Il n'y a que les chrétiens qui sont matures. Alléluia. Même si, alléluia, Élisée était un chrétien mature. Quand Élie lui disait, rentre, Dieu veut m'enlever, entre. Il disait, ton esprit est vivant, ton Dieu est vivant, je te suivrai. Il ne suivrait pas Élie, mais il suivait Dieu. Élie servait. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, je ne sais pas, tu es en train de suivre quelqu'un. A télémi penda. Mais là, bambou m'a pas tonni ni Élisée. Si quand on attendait, Élisée habite ton Dieu est vivant. Il n'a pas dit toi tu es vivant. Alléluia. Alléluia. Si tu avais l'intention d'abandonner l'église parce que sorte quelqu'un de l'église avait fait ceci ou un serviteur de Dieu, n'abandonne pas. Ce n'est pas son église, c'est l'église de Dieu. Alléluia. C'est l'église de Dieu. Alléluia. Le bébé spirituel, des fois, ils font des choses. Même dans des fêtes, s'il y a un pasteur qui est là, tu vois le bébé spirituel, à Obin en encore. C'est comme une fois on est parti avec maman dans une église, dans une fête. C'était l'anniversaire, je crois, d'un des enfants de maman à passer. Une soeur qui priait avec nous avant. Même la gars, tu as bandé mon kili, elle n'a pas de bête. Quand tu as dansé, maman, moi je ne sais pas danser déjà. Papa, pendant qu'il y en a, bien aimé, j'ai pris l'autorité. J'ai dit, ma soeur, arrête un peu. Ne joue pas avec Dieu. Si tu veux danser, attends quand nous allons partir. Tu veux faire quoi? Toi, tu penses que tu me fais du mal, moi, au salanga ma bête? Tu as fait des jouer avec Dieu, tout le monde, en disant que nous avons péché à grâce, au yana, pour toi même, nous avons fait avant de faire de calme. Amen. Alléluia. Ne pensez pas que vous faites du mal aux hommes de Dieu quand vous péchez. Non, faites du mal à Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un peut être béni par ce message, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous levions les yeux fermés.
même sur le plan spirituel, le Saint-Esprit est en train de me rappeler. Si tu es encore bébé spirituel, c'est dangereux. Moi, je me rappelle, en 2007, j'étais déjà mature spirituellement. Alléluia. Je suis arrivé ici en fin 2001, 2002. Chaque été, j'avais, bien-aimé maman sait, j'avais des allergies. Chaque été, mais ma peau pelait. Et j'ai vu ça aussi chez les petits Curtis. Sa maman dit ça. Alléluia. Un jour, j'ai entendu Dieu me parler. Alléluia. Dieu m'a dit, mais tu ne sais pas que tu as l'autorité de dire à cette allergie-là de partir, elle partira. Il m'a rappelé. Alléluia. Vous connaissez le verset de Luc, alléluia, où il dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là. C'est-à-dire, la montagne dont on parle, ce n'est pas spirituel, c'est la montagne. C'est-à-dire, si tu as la foi, tu peux dire, maman, c'est micro, ôte-toi de là, va là-bas. Ah, j'ai compris. Depuis ce jour-là, même le petit qui a été sa maman est là, j'ai prié pour moi, j'ai prié pour son enfant aussi. Namon rappelle, et y'a qu'à sauter. J'ai dit allergie. Alléluia. Qui revient souvent au mois. Alléluia. Je t'ai dit, tu ne reviendras plus pendant l'été. Et depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, ça ne vient plus. Amen. Est-ce que tu peux aussi aujourd'hui parler à quelque chose qui ne part pas dans ta vie? Allez, est-ce qu'on peut, on va faire cette expérience-là? Alléluia. Alléluia. Je veux que nous puissions faire cet exemple-là ensemble. Alléluia! On va s'élever, bien-aimé, dans la présence de Dieu. Commence d'abord à dire merci à ton Dieu pour cette parole. Dis, Seigneur, j'ai besoin de croître spirituellement. Mets ma bouche, commence à chasser tous ceux qui t'empêchent de croître. Priez. Yahweh Papa, qui empêche à ton peuple de croître, que ça soit loin d'eux. Du Christ. Rekete Rebeshika. Oh Rabaseke, pardonne Seigneur, le robot Shinta. Amen. Marc 11, 23, quelqu'un va nous les lire et je vais qu'on fasse une prière. Depuis que j'étais en train de préparer cette prédication, Dieu m'avait dit de faire une prière avec certaines personnes. Si tu es là, tu as quelque chose. Une maladie, ramassenderia, il y a tenterebe seke. Il y a une personne qui est là, le Saint-Esprit est en train de me dire, on a donné des délais de vie. On a dit à quelqu'un que tu connais, de ta famille, qu'il ne vivra pas dans un délai précis. Je veux que là où tu es, tu passes, on va faire la prière aujourd'hui, de parler à la situation, la situation va partir. Si tu es là aussi, alléluia. Alléluia. Amen. Je veux que tu puisses passer. S'il y a même une maladie, il y a quelqu'un, merci Jésus. On t'a dit de faire attention au diabète. Parce que la famille, il y a trop de diabétiques. Le médecin t'a dit, fais attention, tu vas arriver à ce niveau-là. Passe devant, on va prier. Merci maman. Que le Seigneur bénisse. Élevez les mains, maman. Même en ligne, si tu es là. Merci. Jésus, tu es merveilleux. Merci. On va faire une prière spéciale, berger. Que le Seigneur voie la foi de ses enfants. Que quelqu'un me lise Marc 11, 23. Marc 11, 23. J'ai la parole de Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir.
Seigneur, c'est ta parole. Yahweh, toi, tu n'as pas parlé des montagnes fictives. Tu n'as pas parlé des montagnes spirituelles, comme dans quel peuple les dit. C'est ton nom, non, tu as parlé des montagnes physiques. Tu as parlé des montagnes physiques éternelles. Aujourd'hui, le puissant de Jésus et de Nazareth, toutes les paroles, toutes les maladies, tout ce qu'on a proclamé pour ces hommes et ces femmes, même ces enfants. Yahweh, j'ordonne des choses. Si tu as des thérapies, dans la salle, quand on entend les trucs, il y a une personne. Là, je parle, il y a une femme qui est en train d'aimer de sortir de son nombril. La personne va commencer à crier parce qu'il y a une possession démoniaque qui est entrée. L'ami la tombe à Jésus-Christ. Et là, on va commencer à sortir. Ma prière ici, I'm
Les reins, ça allait toucher rapidement les organes, mais maman, Dieu est Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que les médecins ont dit, mais Dieu me dit, ça ne touchera aucun organe vital parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. On a tout à l'amour. Seigneur,
Vive un miracle pour ne plus être de bébé spirituel. Yahweh, ne pas le reste bébé parce qu'on n'a pas vu ta main. Je veux que à partir d'aujourd'hui, un miracle s'opère dans la vie de tout un chacun qui est là. C'est ta parole. J'enlève la chose qui te dérangeait. Je l'envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Amen. Oh, j'aime le Seigneur. Il y a la gloire de Dieu dans la salle. J'ai entendu le Saint-Esprit me dire, si mes enfants me suivent, si mes enfants montent à la dimension que moi, leur père, je veux qu'ils montent, je ferai des grandes choses pour eux. Et il est là, il est en train de faire des grandes choses. Merci Jésus. Il y a une personne, depuis vendredi, tu sens vraiment dans la tête comme s'il y avait des choses qu'on te tapait. Tant j'ai prié ici pour dire aux choses de quitter, comme des montagnes d'aller dans les lieux arides, tu as senti comme une fraîcheur dans ta tête et cette douleur est partie. Oh, c'était un AVC qu'on voulait te faire, mais le Seigneur t'a guéri. La personne est de ses côtés. Merci Jésus. Oh, il est merveilleux. Gloire à ton nom, Jésus. À ton nom, donne gloire, Père. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Je vais rapidement donner les communiqués. Amen. Alléluia. Donc, nos communiqués sont ceci. Aujourd'hui, à 22h, il y a la prière avec Papa Désiré. Bien-aimé, les papas, vous n'entrez pas. Amen. Tous les papas, entrez, c'est votre prière. Et à minuit, les mamans ont leur prière avec Maman Karine. Entrez, bien-aimé, pour commencer, pour bien commencer votre semaine comme vous le faites. Amen. Et à partir de lundi, le matin, nous recommençons nos prières matinales avec Berger. En ligne, bien-aimé, entrez et continuez à prier pour la gloire du Seigneur. Amen. Et le mercredi, le mardi, je suis ici de 13h, bien-aimé, à 18h. Je répète encore, de 13h à 18h, je suis là en permanence. Ça fait deux permanences. On n'est qu'avec Frère Daddy, je ne te vois pas. Alléluia. C'est aussi un langage de bébé spirituel de se dire, parce qu'il peut m'accompagner quand on vous donne le temps. Alléluia. Je suis aussi père, je suis aussi mari, je suis aussi grand frère, je suis alléluia, je suis aussi oncle des gens, mais quand je prends le temps, alléluia, pour toi, il faut venir. Amen. Alléluia. Il y a des gens, pour voir des pasteurs, ils doivent débourser 100 euros
Il y a des tarifs, mais là on te donne gratuitement, mais personne ne vient. C'est pour cela, les dimanches après les cultes, s'il vous plaît, je ne reçois pas. Amen. Parce que je suis là mardi pour vous. Alléluia. Donc tu as un problème de prière, tout je suis là, venez mardi. Alléluia. Et mercredi à 18h, nous sommes ici dans notre cours école de la délivrance. On va continuer avec ce que nous sommes en train de voir. Et je sais que le Saint-Esprit fera encore de grandes choses pour nous. Le vendredi, alléluia, au lieu qu'on fasse nos nuits de prière, maintenant nous ne sommes plus aux quatre veilles. Nous avons commencé nos prières de première heure, deuxième et troisième heure. Amen. Le gens qui étaient là ont prié avec nous de la première heure jusqu'à la troisième heure, c'est-à-dire de 6h à 9h. Amen. Et nous allons cette semaine, donc samedi, prier de midi.